Un truc activé dans la forêt? Bah oui, on l'a fait. Oui, ouais, donc dans le désert, on vient de le faire. Dans le glacier, on est Et dans capturé, le on l'avait cooling fait. outpost, on n'a rien activé, on a juste réparé la plomberie, mais on n'a pas activé le bazar. Hein. Eh ben écoute. Allons-y. Apparemment, le dispenser est vide. C'est vrai? Ah merde, ouais, Ouais, y a plus aucun minecart qui vient. Ouais, la lumière elle est allumée. C'est pas grave, heureusement j'ai gardé des minecarts. ouais, faut pas le rappeler à chaque fois si t'en as un sur toi. Mais non, mais moi en fait, quand j'en posais un, je leur mets ensuite, quand on revenait à la station, il était récupéré. Donc à chaque fois c'était bon, il tournait quoi le Minecraft. Au pire, c'est pas grave, c'est pas le truc qui va nous faire Reviens à toi. l'aventure. Et on voit les méandres de la map. Les Alors bas-fonds. Alors là, bim! J'espère que tu as souffert. c'était pas là. On descend, c'est pas là. Mais non, c'était le début, ça. Mais. Oh. Vas-y, passe, c'est Ah, pas chier. arrêtez! Purée, t'as des bottes, il manque plus que ça Arrêtez, et j'ai full monsieur. staff au diamant. Eh ouais, j'ai fait exprès. Tu n'auras pas le full staff Ça va plus vite Elixir. comme ça. Ne touchez à rien d'autre. Non mais ça on l'avait activé parce qu'on avait si la torche est allumée le système cooling d'écoulement je sais pas des égouts est éteint donc là la torche elle est allumée. Et mais enfin, je veux dire ça se voit quoi qu'elle allume la torche c'est pas comme si Et il y a de la clé là-bas aussi. Attends. Et... Bah, vas-y, prendre la clé. Ouais, j'allais redescendre, mais ça a rien changé. T'es sûr que c'est de la... Ah oui, c'est là. On l'avait déjà prise avec le petit coffre ici. Nerf, nerf. Ici, il y avait un monsieur qu'on avait popipé. Voilà, nous l'avions popipé. Et bah C'est oui, hein. beau. C'est beau, mais c'est pas super utile, ça nous aide pas. Bon, et bah vous savez quoi, on va faire une Ouais. coupure. Et on va Et chercher. quand on aura trouvé, quand on aura trouvé quelque chose de nouveau, en tout cas, on vous reprend, à tout de suite. Bon. On a trouvé, hein. On a Ouais. trouvé. Après, je sais pas combien de temps de recherche. Voilà. En fait, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on avait fait une bêtise depuis le début. Si vous vous souvenez, on était allé du outpost de forêt à celui de la neige. Directement, en fait. Mais apparemment, c'était pas un truc qu'il fallait faire parce qu'on était perdu. En gros, donc on a galéré, hein. Ça, c'est. On vous le dit Ah clairement. oui. On est allé voir sur internet et apparemment c'est un truc qu'il faut surtout pas faire parce que ça fait tout bugger. C'est-à-dire que le truc des haches qui est censé s'activer et tout là, donc là il est activé, il est censé s'activer, mais si on fait Dans le bon ordre. voilà, les outposts dans le bon ordre, donc ça c'est bah, déjà c'est une grosse connerie du créateur de la map. Donc voilà, donc pour le coup, bah, on a dû les activer nous-mêmes, donc forcément le passage il est libéré. On va pouvoir avancer. Et on va pouvoir récupérer les haches. J'ai plein de trucs sur mon inventaire. Voilà, je prends moi une hache avec moi. Alors, vous arrivez trop enfin vous arrivez trop tard. Ce village est attaqué par un démon, un truc dans le genre blague, ça doit être ça. On a réussi à le garder enfermé loin de la puissance de notre chemin, notre terrain. Je galère. Les outposts ont été Ah ouais, en gros, on a foutu la merde. Pourquoi? Attends.
Ok, en gros, en activant la outpost, eh ben, on a foutu la merde, on a libéré une sorte de démon. Et c'est en allant au dernier outpost qu'on va pouvoir. Et apparemment, le dernier outpost a subi une. Une attaque. Non, non, un éboulement, un truc dans le genre. D'accord. Donc, on va pouvoir y aller. T'as pris les haches, hein. Ouais, j'en ai pris une. Non, mais c'est bon, t'as pas besoin de prendre une main carte. Hey. Si? Bah, c'est bloqué. Oh putain, il m'a renvoyé ce con. Vous devez avoir. Toutes les upgrades. Tous les outils d'upgrades pour nettoyer les débris. Ouais. Ah, d'accord. Oui, en fait, on aura besoin des main cartes. Pas tout de suite, mais on aura besoin. Mais j'en ai encore un sur moi. Alors, vas-y, je te laisse casser tout ça. La clé. La clé et la mossy stone. Là derrière, il y a du brin. Ah, ça, c'est de l'éboulement pourri. Alors, lire les signes avant de continuer. Important. Aventure, donc des informations importantes sur l'aventure. Ok, en gros, on doit ramener tous les trucs qu'on avait avec nous, donc tiens, je te donne les machins et je vais aller récupérer les lingots d'or. Ah, d'accord. Ouh, ça touche à son but, ça. Voilà, donc apparemment, on devait aussi popiter tous les villageois qu'on allait croiser. Il y en a la blinde. Donc on va partir du principe qu'ils ont été libérés, qu'on les a, on est tous allés les voir, on a tous lu leur petite histoire pas du tout intéressante. Donc on va partir du principe que c'est bon. Bah, on va dire qu'on a popipouté les plus importants. Bon, on a surtout popipouté ceux qu'on a trouvés. Voilà, mais non, mais c'est surtout ceux qui étaient emprisonnés, quoi. Mais non, il faut passer avec les mancartes, j'ai lu le truc, oui, c'est marqué qu'il faut arriver avec une certaine vitesse. Je crois que t'avais fini. Moi j'y vais. Ouais, sauf que mon mancarte vient de disparaître. Oh putain. Ah, mais tu la poses en même temps, boulet. Il est parti ton mancarte. Ouais. Attends-moi. Fumier. Allez, c'est parti. Et attends, c'est activé pour... Non, c'est pas activé pour tourner au bon endroit. Oh, j'y crois pas. Ouais, c'est quand tu m'as repoussé tout à l'heure. Ah, pardon. Allez, oh ouais, yes. Attends. Tu racontes rien. Non. C'est long. C'est très long. Oh mon dieu, ça souffle comme ça, c'est trop bien ça. Wow. Je tombe, c'est l'enfer. Ouch. Pourquoi je vais plus du dégât? Bon. Oui, ouh, de la netherrack. Ouh là là, j'ai peur. Ouh mon dieu, ouh, on descend en enfer. De la quoi? De la netherrack. La netherrack. Bah, qu'est-ce que ça fout là, de la netherrack? Rien. Ok. Normal. C'est ça, hein, c'est de la netherrack. Ouais, c'est pas de la laine. Ouais, bah ouais. Oh non, c'est Doom. Oh, putain, on a changé de jeu. On a changé de jeu, c'est Doom. Ta. Ah, je t'attrape au passage. Non. Tu vas mettre un coup de corde à linge. Aïe. Attention. Je défonce il dedans. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mon dieu, c'est quoi encore? Les cris de terreur viennent du piège, vous devez tous les sauver. Attends, il y a du texte là. S'il vous plaît, sauvez-nous, on peut pas sortir de là. Pardon. Vous avez sauvé quelques personnes, mais vous avez encore. Ouais, vite fait. Ok, en gros, il y a un générateur qui se nourrit d'âme. Oh. Vous êtes. Des enfoirés. Des fous pour penser que vous pourrez m'arrêter en sauvant les villageois. Quelques sacrifices doivent être faits pour le bien de tout le monde. Je commencerai bientôt. Ça commence bientôt. Espèce de boulet, va! Ah, merde. Ouais, purée. Oh non, vous avez sauvé trop d'entre... Mais vous, tu les as tués!
Tu m'as pas laissé lire! Ah, du coup, c'était écrit qu'il fallait pas faire ça! Mais j'ai rien fait! J'ai juste ici activé le levier! Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai activé vous le avez levier! Tous tué! Moi, je suis sûr qu'il y avait un timer ou un truc comme ça. Oh non, on vous avait sauvé! Attends, vous en avez trop sauvé? Il n'y a pas assez de pouvoir, je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Le démon qui a envahi ce monde, qui a envahi le village. Qu'avez-vous fait? Garnick. C'est pas moi. Hein. Regarde, son bras il brûle. Le fumier. Ouh, regarde. Ah bah c'est bon, il reste la tête. C'est le plus important. On peut pas te poupiter, désolé. Bah oui, apparemment ils vivent sans la tête, quoi. Est-ce qu'on peut les. Bon. Bon, désolé les gars. Allez, on peut y aller du coup. L'autre s'y est brûle. Enfin bref, bah oui, on va continuer. Bravo, Karnik. Alors, qu'est-ce qu'ils écrit? Est-ce que vous êtes choqué d'avoir vu ça Ah oui, y a rien ici. Y a rien ici, d'accord. Bande de boulets. Ah, on peut monter ouais. Là. Mmh. Alors, on monte et on arrive. C'est pas vrai. Oh, c'est le manoir. C'est une copie non, du manoir. Oh, le non, mec, c'est malade. Oh, je suis quand même dégoûté qu'on a fait bugger la map, mais c'est un truc de malade. Ah non, c'est pas une copie, c'est le vrai manoir. Chut. Ouais. Ça, en gros, toute la Netherrack, ça représente l'invasion, hein, le monstre qui a contaminé oh, le. Bon, on peut plus monter par là. Ah si, on peut encore monter par là. Village. Oh, mais dehors, c'est abusé. Ah, il y a un truc par là, Greyfox. Attends. Tu viens ici. La maman qui engueule son gosse. Tu viens ici. Alors, le village est en ruine. C'est venu. Avec la ruine. Ah oui, en fait, en gros, le démon est venu avec le Nether, quoi, en gros. Et je suis venu ici et j'ai fermé la porte derrière moi. Comme ça, tout le monde est enfermé, espèce d'enfoiré. Ouais, voilà. C'est votre faute ce qui est arrivé. Putain, bah bravo. On a bien fait de revenir, furé. Vous auriez dû garder votre nez en dehors de ceci. Oui, votre nez, votre. Ouais, c'est l'expression, quoi. Vous regardez dehors, le village. Qu'avez-vous fait? Vous pouvez entendre les cris terrifiés des villageois. Peut-être pouvez-vous encore faire plus de merde. Allez voir le vieil homme en haut. Allez, go. Oh, les boulets. Ah, j'adore. Je suis quand même dégoûté que ça a bugué, n'empêche. Et t'as vu, c'est vraiment bien. Ah ouais, là, franchement, là, le mec, il doit pas avoir autre vie. Là. Alors, oulala. Ça y est. This is it. Michael Jackson? Y'a rien. C'est lui que le démon, en fait. Oh, regarde, ça explose. Regarde. Oh mon dieu! De la TNT. La fin du monde. Le mec, là, franchement, c'est la meilleure map aventure que j'ai jamais fait de ma vie. Oh, gars, la maison! Oh, puis y'a de la love qui tombe à la place. J'adore. C'est génial. Ah, attends, moi, je regarde tout. Garde, t'as la maison qui. C'est trop fun. C'est le Nether. Et qui s'attendait à ça? Mais et on voit le démon au fond, là, Organ. On voit son sourire d'enfoiré. Ouais, c'est vrai. On voit ses yeux, ils sont. Oh là là. Je suis sur le cul. Et t'as vu, c'est super bien fait parce que sous la bouse, tu as de la Netherrack en fait. Donc quand ça pète, c'est la Netherrack qui apparaît. Oh, puis gagne la lave qui se verse sur la maison là-bas. Et il y a eu des notes de musique là. Dun 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 dun. Non, mais c'est vrai, en plus j'ai entendu un truc comme ça. Oh, moi j'ai peur. Alors attends, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a rien que nous pourrions faire maintenant, c'est seulement une question de temps avant que le démon détruit ce manoir aussi. J'ai encore entendu un truc péter. C'est pas moi. Peut-être vous devriez regarder le feu d'artifice avant que nous mourions tous. Non, c'était cool. Pas question qu'on meure. On n'est pas des Tarlouz. On va les fighter. Ah, c'est tout chemin pour crever maintenant. Alors, attends, il y a plein de panneaux. Ouh là là. Vous courez, le démon, il y a vite. Attends, on fait une coupure, mon Minecraft, il vient de planter. Vas-y. Ah, te taré, putain. Ah, le déglingue. Vas-y, on peut y aller. Ok. T'approches-toi pas du coin là-bas, hein, parce que ça a fait planter ouais, mon ouais. PC. D'accord. Non, Minecraft. Vous courez avant que le démon inévitablement réussisse à atteindre le manoir. Si seulement il y aurait quelque chose, si seulement il y aurait eu un autre chemin.
peut-être si vous aviez sauvé plus de villageois, vous auriez pu le battre. Mais ouais, tout est perdu maintenant. Si seulement vous pourriez retourner en arrière, enfin retourner dans le temps et faire quelque chose de différent. Pourquoi tu me regardes? Dois-je te rappeler que tu as foutu le bordel? Mais c'est pas moi. Excusez-moi de l'expression. Ah, c'est fermé, on peut plus repartir. Ah bon, bah allez, on y go. Alors, il faut savoir un truc. Attends, bah non, ça vous le saurez à la fin. Il y a de la flotte. On descend et on arrive. Oh, c'est la fin. The end. Ah, c'est les villageois qu'on a popipout. C'est le nombre de villageois qu'on a popipout. Donc on en a fait 1, 2, 3, 4. On en a popipout la moitié. Pourquoi j'ai 6 citrouilles sur moi? Non, mais en fait, on a fait bugger le circuit un petit peu vers la fin. Est-ce que vous avez battu le parcours? Ah oui! On a oublié un truc. Cette histoire de cube de Bedrock. Ah oui. On savait où il fallait récupérer les deux derniers. Où étaient les deux derniers cubes de Bedrock? C'est-à-dire, au début, on n'arrivait pas à atteindre deux coffres qui étaient en hauteur, c'est-à-dire à droite et à gauche du manoir. Très, très, très en hauteur. Mm-hmm. C'est ces coffres-là qu'on ne pouvait pas atteindre. Et en fait, on devait les atteindre à partir des autres outposts. Chose qu'on a oubliée. À savoir que, apparemment, c'était un bonus. Donc, c'était pas dans l'aventure, vu qu'apparemment, on a réussi à finir l'aventure. Donc voilà, en gros, si on avait réussi à finir le parcours, comment t'es monté là, toi? Comment, si on avait réussi à... Ah, ok, si on avait réussi à finir le parcours, en gros, on pouvait placer quelque chose dans les 4 cubes de Bedrock là, qu'il y a. Au milieu, on pouvait placer quelque chose. Donc, bienvenue à la salle de la victoire. Vous pouvez prendre un screen pour trouver votre final score, votre score final, et le montrer sur un forum. Bien, félicitations, vous avez réussi, vous avez battu, vous avez congratulé le héros Dev Mansion. C'est la fin. Ah, voilà. C'est fini. Ah, Gigarbov, alors Gigarbov, un énorme GG à toi. Ah oui, bien. Franchement, c'est un truc de taré. Un énorme GG to you. it is wonderful, it is amazing, such a beautiful map, voilà. it is beautiful. Alors apparemment, on peut mettre... Ah oui, on peut crafter les cubes de... Les lingots d'or. Ah, pour voir si on avait tout. Ah non, c'est vrai, il nous faut un... Il y a un workbench ici. Tiens, j'en ai encore deux sur moi. Pas pour savoir si on avait tout, mais en gros, c'était là, c'est ce qui représente notre score. D'accord. Vas-y, je peux les poser. À combien on va remplir... Oui, attends. Oui, je peux les poser. À combien on va remplir notre... La jauge. La jauge, exactement. Alors, c'est mignon, les petites... C'est une super map. Alors aussi un truc, ça vaut plus le coup de la faire maintenant que vous l'avez vu, mais franchement, elle est vraiment excellente. Oui, bah en même temps, s'ils ont regardé dès le début, c'est qu'ils... Oui, ils comptaient pas la faire. Voilà, ils comptaient pas la faire. Et il faudrait se renseigner, savoir si le mec il en a fait d'autres, parce que c'est génial. Ouais, alors on en a 10. Mais quoi que non, je le ferai plus. C'est bien sympa comme map, mais ça prend aussi bien la tête. Alors, pendant que Garnick va installer les trucs, il faut savoir qu'apparemment il y avait plusieurs fins. Ah ouais? Oui, j'ai vu ça sur le forum avant de commencer la map. Il y avait plusieurs fins. Ah, donc on a vraiment merdé? Non, mais c'est une fin comme une autre en fait. On a pas fait la meilleure, je crois. Non, mais je pense qu'on a trouvé la fin la plus rock'n'roll. Oh, bah ça va. Ouais, voilà, rock'n'roll, j'aime bien. Voilà, c'est la fin la plus rock'n'roll où tout est détruit à la fin. Donc le vieux là, le vieux bonbon, le vieil homme au bonbon qu'on avait pris pour un pédophile à un moment. Voilà, donc il l'a bien profond, si vous me permettez l'expression. Parce que tout est détruit, c'est bien fait pour lui. Le démon va tout bouffer. Le démon va tout bouffer, il va se faire une soupe de potiron. Le mec va se régaler. Voilà, donc le monsieur au bonbon flûte, et voilà, apparemment il y avait plusieurs fins, des fins gentilles, des fins dégueulasses, des fins rock'n'roll, on a fait la fin rock'n'roll. On a fait un bon on a score, trop la classe. Trouve, hein. C'est la fin, mais je trouve qu'on a fait un super bon score, attends, pour des mecs qui ont j'ai galéré. J'ai carrément pas l'habitude de faire des maps aventures, là. Et encore, il nous reste 5 lingots. Ouais, donc on aurait presque pu finir une ligne. Exactement. Donc voilà. Donc ouais, on peut continuer. Je suis dégoûté de on continue la puissance. Ah non, je me casse moi. Non, vas-y, viens, on va voir où ça nous amène quand même.
C'est quoi ça? Si vous voulez continuer à utiliser les minecarts, n'oubliez pas votre or. Oui, en gros, je pense que ça, ça allait nous renvoyer au tout début de la map. C'est parti! Non, mais on s'en fout. Bah, je veux voir où on atterrit. Bah, au début de la map. Bah, j'en suis donc sûr. Donc, s'il y a plusieurs fins, on vous invite à faire aussi de votre propre fin. J'aimerais bien voir les autres fins aussi. Je la refais en pas, gros, je la refais pas. Si vous avez vu tout ce qu'on vient de faire, ne faites pas ça. Notamment vers la fin, notamment au milieu, c'est-à-dire que faites les outposts dans l'ordre. Ça vous évitera moult problèmes. Voilà. T'as pris le truc? Oui. Oui, je suis en train de le prendre. Arrêtez. Qu'est-ce que ça dit? Ah, vous avez tremblé. Ah, d'accord, on est sur le poste. Bougé pendant votre rêve. Et ça. Était-ce un rêve? Était-ce une vision d'un futur horrible qui va bientôt arriver? Oh, trop bien. Vous devez essayer de sauver encore plus de villageois pour prevent this evil from winning. En gros, pour éviter. Ah, on peut encore sauver d'autres villageois pour essayer d'avoir l'autre fin. Oui, c'est. New Game Plus. Donc, essayez de vous souvenir de tous les panneaux de vie que vous avez vus dans votre aventure. Je sais pas ce que ça veut dire. Le ravin dans le désert. La sorte de grotte sous la glace. Les tours du manoir. Le Calling Outpost. Donc, le truc qu'on a joué à Mario. La pyramide. La pyramide. Il y avait une tombe. Il y avait une pyramide. Ok. Ah oui, voilà, donc c'est là, en fait, on a dû louper des gars, on a dû oublier de popiquer des gars. Ouais. Bon, bah... Et seulement, c'est ça qu'on pourra retourner à l'outpost de glace, vous devez les trouver. Eh ben, j'ai envie de dire... C'est un truc de malade. C'est génial, c'est magnifique, c'est super beau, on va sacrifier un cochon, voilà. Non, vraiment, c'est vraiment une map de taré, surtout la fin, alors la fin est magnifique. Bon, bah je pense qu'on va pouvoir conclure. Ouais. Après, sur le coup de outpost de glace. Sur le outpost de. Oula, ça lague. Attends, ton micro bug. Ouais, le tien aussi. Tu lagues. Ah, bon. Pourquoi est-ce qu'on lague? Non, mais. C'est bon? Ouais, je te vois encore bouger. Bon. Ouais, ok. non, mais c'est bon, du moins que je t'entends en fait. Donc on vous remercie d'avoir regardé tous ces épisodes de Eronev, le Eronev Mansion Adventure. C'est une map qui a été faite par Gigarbov, ou Gigarnov, Gigarbov je crois. Donc voilà, GG à toi Gigarbov, et merci de nous avoir regardé. Salut à tous, à la prochaine. Salut. Mais ce serait pas du VBC si ça terminerait pas comme ça. Non. Salut. Salut tout le monde.